Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'on s'engage à Nabiso, tout suspendre mouké la stature d'un homme parfait. Il nous faudra aujourd'hui suspendre un peu la statue de l'homme parfait pour aujourd'hui. Parce que Nayoki Motei a tourné mingi sur la promesse. J'ai suivi le prédicateur tournant tout autour de la promesse. Alors,
tokolingato abordé wana. Nous chercherons à aborder sur ce point-là. Atako tokozala ndenge moko lokola yete. Même si nous ne serons pas pareils à ces prédicateurs. Mais tokoloba liloba na Nzambe. Nous allons parler de la parole de Dieu. Parce que alobi na biso boye. Il nous a dit ceci. Abraham. Abotaki Ismaël. Il a engendré Ismaël. Et abotaki Isaac. Et il a engendré aussi Isaac. Ezaya sol. C'est vrai. Mais nakoki pe ko bakisa lisusu. Je peux aussi ajouter. Abotaki pe bana basusu. Il a aussi engendré d'autres enfants. C'est parce que. Là, tu n'étais. Isaac. Abotamaki na Sarah. Aîné de Sarah. Ismaël. Abotamaki na Agar. Aîné d'Agar. Et Abraham. Abalaki lisusu simanaba oyowana Ketura. S'est marié encore après ces deux femmes-là avec Ketura. Isaac abotam. Isaac fine. Ismaël abotam. Ismaël fine. Kat na bango mibale Isma. Ndenge toyoki prédicateur. Comme nous avons suivi la prédication. Ismaël abotamaki liboso. Ismaël est né le premier. Abraham alandi. Isaac alandi. Après ça n'est suivi Isaac. Et Ketura. Et Ketura a mis au monde d'autres enfants. Parmi tous ces enfants-là, Moko Kaka, un seul Azalaka promis. Était promis. De Isaac. C'est Isaac. Amen. Amen. Na Genèse chapitre 25, tu peux côté les Genèse Mokapa, tout comme bien ami temps. Nous pouvons nous tenir debout. Otangi verset à Liboso, Yami Balé, Yami Satu, Yami Neinandak. Tu vas lire les premiers versets, les deuxièmes, les troisièmes et les quatrièmes à la maison. Wana Ezali Bana ya Ketura. Ce sont les enfants de Ketura. Mengana Kolinga Totanga verset 5 à 6. Moi j'aimerais que nous puissions lire le cinquième verset jusqu'au sixième verset. Otobakisa na oyo ndeko ewal de Franck autikoloba. Pour ajouter sur ce que le frère Franck vient de dire. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abraham apesa ki bozunaino sona Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. À cela qui makabo et pas ya bana ya ba makango na ye. Concubine wa eza makango te. Na sens wa eza koloba mawa. Dans ce sens ici, concubine c'est pas makango. Eza ki makango te. Ce sont ses autres femmes. Abraham ya saka ki makango te. Abraham n'avait pas fait le concubinage. Mais moi si oya balaka ye légalement, oyo ba pesaka ye promesse pona kobotela ye, ezala ki Sarah. La femme qu'il a épousée légalement, sur laquelle on a donné la promesse, c'était Sarah. Agar. Ketura. Bazalaki na katia promesse wanati. Elle n'était pas dans ces promesses-là. Alors, yango Bible lobi. C'est pourquoi la Bible dit. Azwaki makabo. Il a pris des dons. Apesi na bana ya basi basuswa. Il a donné à ses autres enfants, les autres mais, femmes-là. Na cinq ya lobi apesaki na Isaka. Au verset 5, c'est écrit, il a donné à Isaac tous ses biens. Parce que Isaac était le fils de la promesse. Il leur donna les dons. Après ça, il m'a dit, tandis qu'il vivait encore. Et il les envoya loin de son fils Isaac. Il m'a dit, na moi na Isaac. Du côté de l'Orient. Dans le pays. Namboka ya ibimeli ya tango. Amen. Amen. Tata na biso za na bisika na likolo. Notre pré qui est aux cieux. Totondio pona liloba kitoko to uti koyoka na tongo. Nous te remercions pour la précieuse parole que nous venons d'écouter ce matin. Et totondio pona montango ila moyo pesi biso lisusu ete makomi mabakisama. Nous te remercions pour le temps que tu nous as donné en plus. Pour que nous puissions ajouter les Écritures. Pambola boyoki na biso. Bénis notre écoute. Pambola mitema na biso. Bénis nos cœurs.
prend l'autorité sur l'assemblée en ce moment, jusqu'à ce moment, jusqu'à ce que nous allons terminer de parler, que le Saint-Esprit puisse prendre l'autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si tu regardes bien, Abraham avait déjà libéré Ismaël. Parce que quand Sarah a mis au monde Isaac, il est arrivé une période. Agar, mama ya Ismaël. Agar, la maman d'Ismaël. Akomaki ko seka Sarah ndengeni na bonunu nkoko boye aboti mwana. Il s'est moqué de Sarah parce que dans sa vieillesse, il a mis au monde un enfant. Et cela qui Sarah passe. Cela fait mal à Sarah. Et ayebisi na mobali ne Abraham. Il a dit à son mari Abraham, moi soy. Cette femme na mwana na ye. Et son fils. Je ne veux plus les voir ici. Son fils ne peut pas hériter ensemble avec mon fils. Comme elle commence à se moquer de moi, à la fin, ça ne sera pas bien. Cela a inquiété Abraham. Abraham a prié Dieu. Dieu a dit à Abraham, tango na lobaka Sarah a koboté la. Quand j'avais dit Sarah te mettra au monde un fils. Est-ce que ngana lobaka Agar? Est-ce que moi j'avais parlé d'Agar? Abraham a lobi oloba bongo. Abraham a dit tu n'avais pas dit ainsi. Ozwaka Agar ndenge ni. Comment est-ce que tu as eu Agar? Nazwaka Agar. J'ai eu Agar. Sarah a lobi nangai. M'a dit lokola na komi koko. Comme je suis devenu vieille. Ndenge nzambe a lobi okobota. Comme Dieu a dit que je vais mettre au monde. Peut-être peut-être ce sera mon esclave qui te mettra au monde ce fils-là. C'est pourquoi j'ai eu cet enfant-là. Et nous avons mis au monde un enfant. Et Dieu dit à Abraham, pourquoi tu me poses cette question? Moi, je t'ai donné Sarah comme femme. J'ai été promis que c'est Sarah qui va mettre au monde. Celui qui t'est marié avec Agar, c'est Sarah. Ce n'est pas moi. Et la promesse que j'ai donnée pour mettre au monde, je n'avais pas dit que c'est Agar qui va mettre au monde. Mais c'est cette personne-là qui vous a marié. Elle ne veut plus ce mariage-là. Elle ne veut plus le fils de cette femme-là. Quel est mon problème? Accomplis son désir. C'est elle qui avait dit mariez-vous. C'est elle-même qui a dit séparez-vous. Ne me porte pas cette responsabilité. Moi, quand je dis une parole, même il se passe autant d'années, je veille sur ça et je vais l'accomplir. Amen. Amen. Et depuis ce jour-là, Abraham, tongo, le matin, Agar, il a pris Agar et son fils. Il les a chassés. Il est allé les laisser loin. Mais et après la mort de Sarah, Agar, na mwana, basi bakenda, Agar et son fils étaient déjà partis. Abraham s'est marié avec Ketura. Quand il s'est marié avec Ketura, Ketura aussi lui a donné des enfants. C'est ce que nous avons lu ici. Dix vivants, il y a Abraham. Bon, y a Abraham. Wana Ismaël, azala, ki li susute, alors qu'Ismaël n'était plus là, azui bana ya Ketura. Il a pris les enfants de Ketura. Apesi bango mwa makabu. Il leur a donné quelques dons. Pe atindi bango mo sika. Il les a envoyés loin. Bozala pembeni na mwana nangai. Ne soyez pas près de mon fils. Bokoya ko déranger. Vous allez les déranger. Pe Bible lobi. Et la Bible dit, azui bomengo na ye nyos. Toute sa richesse. Apesi mwana na ye Isaac. Il a donné à son fils Isaac. Alléluia. Amen. Tango frère Branham a yé. Quand frère Branham est venu, le kola musakuli a yé. Comme le prophète de l'heure, comme nous venons d'écouter frère Franck parler,
Frère Franck a joué reconnaître William Branham comme prophète de l'heure. Frère Franck reconnaît William Branham comme le prophète de l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, Ndeko Branham est à l'objet. Et Frère Branham dit. Ces enfants-là à qui on avait donné les dons, ce sont les dénominations. Ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Jésus. Ils ont reçu les dons. Ne les injuriez pas. Ne te manque pas. Quand ils parlent de nouvelles langues, guérissant les malades, faisant ce qu'ils ont fait par l'Esprit, c'est ce qu'on leur avait donné. Mais nous, qui avons reçu le message, comme Isaac, tout ce qui concerne la parole est à nous. Nous ne nous limitons pas seulement aux dons, mais la parole dans son entièreté. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi vous voyez notre manière de prêcher, notre manière de croire, notre manière de vivre. Nous sommes différents de nos frères. Ce sont les enfants de notre Père. Nous avons obtenu toute la richesse de notre Père. Toute la parole. C'est pourquoi nous ne choisissons pas la parole. Nous prêchons la parole dans toute son entièreté. La richesse parce que c'est la richesse de notre Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi? On a dit. Parce que. Zambi. Isaac. Isaac. Azalaki, enfant. De la promesse. Il était l'enfant de la promesse. Isaac. Isaac. Abotamaka na la parole de la promesse. Il est né de la parole de la promesse. Et Isaac. Et Isaac. Azwaki ma bénédiction conformément na promesse. Il a obtenu les bénédictions conformément à la promesse. Bisso. Nous. Tozali bana ya elaka. Nous sommes les enfants de la promesse. Bolobamen. Dites amen. Bisso. Nous. Tobotami na liloba yaelaka. Nous sommes nés de la parole de la promesse. Et bisso. Et nous. Tozui molimo yango yaelaka. Nous avons reçu l'esprit de la promesse. Non, il faut. Soki bato ya esengo na mabele bazalie za bisso. Qui doivent être contents, c'est nous. Nyonso ya nzambe ezapona bisso. Tout ce qui est à Dieu nous appartient. Quand frère Paul est venu, comme apôtre des païens, le col en tombe à Pagan, a commis le bandeau na biso na Galate. Il a écrit à nos bien-aimés de Galate. Allô, Biboy. Il dit ceci. Galate chapitre 3. Galate mukapami sato. Verset 15. Mon nom est Jomi. Et 16. Frère, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme. Un testament. Boyokani, testament. Maloba Souka. Ok. Boyokani, c'est une alliance. Alliance. Un testament en bonne forme. Maloba Souka, l'olengi à malam. Bien que fait par un homme, attaque yango salami na moto, n'est annulé par personne. Et koki kolongola na moto te. Et personne n'y ajoute. Pe moto ta koki ko bakse loko moko. Or, nzokande, les promesses bilaka yango ont été faites et salamaki à Abraham, na Abraham et à sa descendance. Pe na libota na ye. Il n'est pas dit et aux descendants comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Na Christo. Amen. Amen. Ok. Bango bazalaki na lolenge na nzoto. Et ils étaient de manière Chanel.
C'est pourquoi Isaac était le fils de la promesse. Nous aujourd'hui ici, le fils de la promesse d'Abraham, c'est Christ. Amen. 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 Nous sommes dans les bons. Vous allez quatre dans les malades. Alors, je vais dire ceci. Jean chapitre 14. Christ. Christo. Alobi na biso boy. Il nous dit ceci. Jean 14. Verset 1. Jusqu'à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Pourquoi? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Est-ce que l'assemblée est ici? Est-ce que l'assemblée est ici? C'est une promesse pour nous. Est la cap pour la biso. Mon frère, ma soeur, ne te promène pas, ne te promène pas sur cette comme une personne qui manque la promesse. Promesse soyo, cette promesse ici, eko, ça va s'accomplir. Au sali voyage, tu voyages, n'oublie pas, le Seigneur peut venir. Classe. Tu pars en classe. N'oublie pas. Même si je suis dans l'auditoire, le Seigneur peut revenir. Tu es dans le commerce. N'oublie pas. Tu es dans ta maison assis. Tu suis la télévision. N'oublie pas. Que Nazana promesse. Et j'ai une promesse. Est-ce que Bolingi Yango? Est-ce que vous aimez cela? C'est une promesse. Et j'ai la camoko. Et bimana monokona. Sorti de la bouche du Seigneur. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Mais il n'est pas encore rentré. Dans ce message, le message qui est venu par William Branham, il y a beaucoup d'assemblées, même ici à Kinshasa, qui disent Jésus est déjà venu conformément à cette promesse. Mais nous, il faut yeba. Nous devons savoir, Nanoyete. Il n'est pas encore venu. Bientôt il va revenir, mais il n'est pas encore venu. Pourquoi? Alobi, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Vous voyez? S'il vient, il ne vient pas vivre avec nous. Il ne vient pas prêcher avec nous. Il ne vient pas demeurer. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus n'est pas venu. Non. Si on vous dit qu'il est déjà venu, c'est un garçon qui vient de l'enfer. On va décourager ta foi. Parce que ce qui est soit Jésus est venu, la grâce sur la terre est finie. Donc, amen. Dis amen. S'il vient, il nous prend, Israël. Il rentre en Israël. J'ai entendu Frère Franck dire, tout Israël sera sauvé. Israël est mobile, mais il faut battre pourquoi Bible le dit tout Israël sera sauvé. Les gens veulent savoir pourquoi la Bible dit tout Israël sera sauvé. Ezali, si, eh? Les 144 000. Ezali, 144 000.
Bazako représente Israël mobile. Il représente tout Israël. Na 12 tribus à Israël. Tribu 12 à Israël. Chaque tribu. Tribu Moko 12 000. Multiplié par 12 tribus. Multiplié par 12 tribus. 144 000. Ça fera 144 000. Ne yango yo Bible lobi. Je sais que la Bible tout dit. Tout Israël sera sauvé. Et kobi kisama. Ce n'est pas n'importe quel Israël. Ce n'est pas n'importe qui l'Israël. Les élus. Baponami. Connus d'avance. Oh, bah, yébana ki yambo yambo. Alléluia. Amen. Message est long. Biso tokei na likolo. Nous nous sommes enlevés. Modèle moko moko ya message ezongi na Israël. Le même modèle de message rentre en Israël. Et kei ko louko préparer les 12. Va préparer les 12. Il y a chaque tribu. De chaque tribu. C'est-à-dire les 144. Ngo baba 144. Bango kakande ba bondima. C'est seulement qui vont croire. Ndenge moko lokola ngai na yo kakande to ndimi. Moi et toi comme nous avons pu. Message est ôté à Mamokili Mobile. Le message est présent dans le monde entier. Tout le monde écoute ce message. Na télévision. À la télévision. Na radio. À la radio. Na ba brochure. Dans des brochures. Na ba bande. Dans des bandes. Mais il y a les prédestinés. Kasi babongisami bazali. Kaka biso. C'est le manou. Et kuna pe. Mais là-bas aussi. Tango esprit à Moïse. Dans l'esprit de Moïse et d'Élie. Et qu'on kende ko prêcher Christ. Prêcher Christ. Seulement les 144 000. Bazali pour englober Israël. Ils englobent Israël. Tout Israël. Israël Mobimba sera sauvé. Et ko bikisama. Mais comme moi et toi, nous sommes assis là. Nous les lisons. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Si tu lis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. On va dire verset 15 et 17. Du verset 15 jusqu'au verset 17. Kuna, là. Okoyoka balobi, tu vois, on a dit. Les morts en Christ, Christ ressusciteront. Bako c'est quoi? Premièrement. Yambo yambo. Ensuite, nous les vivants, ensemble avec eux, nous serons tous enlevés dans les airs pour la rencontre du Seigneur. C'est-à-dire, comme il nous a dit ici, je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai. Il nous a dit, ces pieds ne piétineront plus la terre. Et quand tu vas laisser le ciel, monte ici. C'est seulement qui ont reçu cette parole. Ils ont reçu cet esprit de la parole. Ils sont attentifs à la parole. Cette voix-là, c'est seulement eux. C'est les morts sont ressuscités. Les vivants ont changé. Les rencontrer dans les airs. Alléluia. Amen. Si tu attends qu'il vienne ici, il ne viendra pas ici. Si quelqu'un te dit qu'il est déjà venu, il va le couper. Parce que s'il est venu, nous serons assis ici. Pourquoi? Nous venons ici pour l'attendre. Comme il n'est pas encore venu, la parole qui a été confiée à William Branham, ce qui est relayé par Ewald Frank, ils ont préparé, ça prépare les candidats, les candidats de l'enlèvement. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Mais si quelqu'un dit, il est déjà venu, passe dans ton cerveau, cet homme-là, soit, Aza candidate, il n'est pas candidat, soit, il n'a pas bien compris. À Sosoli Malamouté. Il n'a pas bien compris. À Sosoli Malamouté. À cause de la naïe élu. Il peut être élu. Mais Azali embrouillé na maté ya yabato. Il est embrouillé par la prédication d'autres personnes. Mais imagine-toi. Kasi Banzana. Bato bafani na losa. Les hommes sont assis dans les un prédicateur comme moi. Ben nazoye bisabino. J'ai dit, je vous dis. Jésus est déjà venu. Enlèvement est déjà eu lieu. Mais c'est quoi essayer ça? La résurrection a déjà eu lieu. C'est la folie. Ezali boma. Bon, nazote ya nini. Je prêche quoi? Et vous êtes assis pourquoi? Yesu. Jésus akoya. Il viendra. Mais nanoyé. Mais il n'est pas encore venu. Bolinga boyeinaye. Aimer sa venue. Frère Paul a lobby. Frère Paul dit. C'est lui qui n'aime pas son avènement. Bolinga boyeinaye te. Qu'il soit maudit. Ala kela mama be. Alléluia. Amen. Motuna na oyangoyo. La question est celle-ci. Okokoloba nangai. Tu peux me dire. Mais tanga zoloba makamboyo. Quand il dit ces choses. Il dit à un groupe de gens qui étaient avec lui,
les frères, les sœurs, ceux qui marchaient avec lui, c'est qui lui a donné la promesse. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai pour vous. Et à nous, qu'est-ce que cela nous concerne? Nous sommes concernés. Attends, nous allons prendre les Écritures. Est-ce que vous aimez cela? Jean chapitre 10. Jésus dit ceci. Au verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celle-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Je suis encore. J'ai encore d'autres brebis. Ils sont dans ces troupeaux comme vous êtes là, non. C'est là aussi. Ils vont m'entendre. Je vais les amener. Vous serez un seul troupeau. Et un seul berger. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est l'écriture. Ce n'était pas seulement pour ceux-là qui étaient autour de brebis. Pâté awa. Ce n'est pas une brebis animale. C'est la brebis des hommes. Babali, les hommes et les femmes. Ils ont comparé ces enfants de Dieu aux brebis. Les brebis perdent leurs droits. Ils ont un caractère comme Jésus. Et Jésus, Jésus les appelle mes brebis. Ils ne sont pas dans cette peau. Et eux aussi, je vais les amener. Ils vont m'écouter. Alléluia. Amen. Attends, on va ajouter une autre écriture. Jean 17. Jésus a bondé l'ipona bampate naï. Jésus a prié pour ses brebis. Azo bondé la nzambe na lola pona bampate naï. Il prie le Dieu du ciel pour ses brebis. D'abord, a bondé l'ipona bo bazala ki pembeni naï. D'abord, il a prié pour tous ceux qui étaient autour de lui. Et il a réuni d'autres troupeaux comme moi et verset toi. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même. Pour eux. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Par la vérité. Landa verset 20. Suivez le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais je prie encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia. Amen. C'est bon, c'est merveilleux. Ceux qui croiront en moi par leur parole. Nous ne vons pas crier Abraham. On n'a pas dit à un homme quelconque. Mais ton dima Jésus-Christ. On a crié à Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'ibon de lio yo. Cette prière, nous étions aussi des participants. Jésus a déjà prié pour nous. Il a dit qu'on la bonne abisso. N'aie pas peur. L'ibon de lio yesu. La prière de Jésus. Tata na ye ayamba yango. L'a exaucé. Réponse au appel ça qui n'a dit pas de nous cette prière là et ça qu'on concerne yo ça te concerne au quoi bisanga au lobby tu vas me dire disant mais ceux qui croiront en moi bao ba kondima kati nangai à travers leurs paroles Mais ceux qui sont dans la Bible. Si nous lisons dans la Bible, Jésus a l'obaki na bango. Jésus leur avait dit. Bokende na mikili ya bapayate. N'allez pas dans des pays des étrangers. Bokende kake pa ya babrebi ya Israël. Allez seulement auprès des brebis perdus d'Israël. Non. Ma commie est allée. L'Écriture est là. Actes chapitre 9. Isala bantoma mukapo alibwa. Est-ce qu'assemblée est allée? Est-ce que l'assemblée est ici? Appel ya Moïse, ya Paul. Ça c'est l'appel de Paul.
Paul azalaka te esika moko na bayekoli wana oyo Jésus abandaka ko bondela bango bafandi wana. Il n'était pas ensemble avec les apôtres pour qui Jésus priait pendant qu'ils étaient là. Jésus abenga Paul. Il a appelé Paul après bantoma oyo ya benga bango. Après les apôtres qu'il avait appelés. Atindi Anania kende ko bondela pona Paul. Il a envoyé Anania pour prier pour Paul. Acte chapitre 9. Acte 9, verset 13. Molongo azomi na misato. Anania lobi na na Yesu. Anania dit à Jésus. Seigneur, Kolo, j'ai appris de plusieurs personnes. Na yokeli uta na bato ebele. Tous les mots que cet homme. Na yokeli uta na bato ebele mabe oyo moto oyo. A fait à tes saints. Asala ki na basantu na yo. Dans Jérusalem. Kati na Jérusalem. Et ici. Pe awa. Il a des pouvoirs. Azana makoki. De la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, kende, car Zambi, cet homme, Motoyo, Paul, Polo, c'est un instrument Azali esale, que j'ai choisi ngana, silikopona, pour porter pona, mon nom nangai, devant les nations, bikolo, y compris Nabiso. Et talipe biso. Loba amen. Dis amen. Devant les nations, devant les rois, et aussi devant les fils d'Israël. Wana, le tomo, ça c'est l'ordre. Polo, que Paul, Zambe a pesa kaye. Dieu lui avait donné. Alobite ko banga yete. N'ayez pas peur de lui. C'est une personne qui a déjà choisi. Nan, n'était pas encore né. Oyo nyonso azo sala na lingomba na ngai. Na bana na ngai konyokola bango. Le faire souffrir. Ezapo aza ignorant. Parce qu'il est ignorant. Ezapo tango ekoka kite. Parce que le temps n'était pas encore là. Mais le temps est arrivé. Kende. Va. Na poniye. Je l'ai choisi. A komé ma kombo na ngai. Il va porter mon nom. Na mabota. Aux nations. Et pa ya bakondi ya mokili. Au roi. Pe na bana Israël. Et aux fils d'Israël. C'est pourquoi n'incite personne dehors parce qu'il ne vient pas ici parce qu'il n'a pas cru au message destiné na ye. Sa destinée toi tu ne le connais pas. Alléluia. Amen. Bana mosusu ya Nzambe. D'autres fils de na Dieu ya lelo, ce matin bazana biso awate. Ne sont pas avec nous des fois, ici bazo mela masa. Des fois ils prennent la bière des fois, bazo sa mobulu. Des fois ils font les mais quand leur temps viendra, comme toi, Dieu va les appeler. Même pas ce matin. Même ce matin, il y a d'autres. Si nous disons, il y a qui à Jésus, comme son Seigneur et Sauveur, il veut donner sa vie. Comme nous avons écouté le frère Franck crier là-bas, vous verrez qu'il viendra ici. Dis moi aussi, je vais donner ma vie au Seigneur. Ce n'est pas le prédicateur qui l'a appelé. C'est lui qui appelle ses enfants. Alléluia. Amen. Je vais les appeler aussi. Si tu es ici, prépare-toi. Yamba Yesu. Reçois Jésus. Le kola nkolo pe mobikis. Comme Seigneur et Sauveur. Koya en église. Venir à l'église. Eza bien. C'est bien. Koyemba. Chanter. Eza bien. C'est bien. Mais kondime la ye. Le croire à lui. Et le ki malam. C'est plus que bien. Amen. Vous voyez. Frère Paul. Frère Paul. A komeli Timothée. Il a écrit à Timothée. Na Timothée, Yami Balé. De Timothée. Timothée, Yami Balé. De Timothée. Mokapunango ya Liboso. Premier chapitre. Molongo ya Zomi na Moko. Au verset 11. Oh, maloba frère Paul, alors comment la Timothée. Ça, c'est les paroles que frère Paul a écrit à Timothée. Aïe, mais c'est Timothée. Il a dit à Timothée, c'est pour cet évangile. Et ça dit, pour Natina Sangomalam, que j'ai été établi. De Natia Maki. Prédicateur. Motei. Et apôtre. Pentoma. Chargé. Azumokumba. D'instruire les païens. Yakola qui s'abat pagano. Loba amen. Dit amen. Pour na plan ya Nzambe, parce que pour le plan de Dieu, esengela kili lobana ye komati na Kinshasa. Il fallait que sa parole arrive jusqu'à Kinshasa. C'est parce que Kinshasa. Parce que Kinshasa. Tout cela qui ba nation païenne. Nous étions des nations païennes. Kaka Timothée. Toujours Timothée. Kaka Timothée. Toujours Timothée. Non, non, seulement Timothée. Seulement Timothée. Non.
Il a écrit aussi aux Galates. Les frères qui étaient aux Galates. Galates chapitre 2. Galates mukapwami balé. Verset 8. Molongo ya mwambe. Jusqu'à 9. Kino na molongo alibwa. Yoka frère Paul. Écoute frère Paul. Ayebisi ba frère Galate. Dis au frère de Galate. Na tongo loko la biso no kuvania. C'est maintenant que moi et toi nous sommes assis ici. Alobi boy. Il dit ceci. Car Zambi. C'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis. Wa comme ça qui Petolo, tomba ya ba 400 mingenga. A aussi fait de moi. Asale ki pepo na ngai. L'apôtre des païens. Tomba ya ba pagano. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Jacobo, Cephas, Jean, Yohane, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allions Tokenda, nous, biso, vers les païens, et pas ba pagano, et eux, pe bango, vers les circoncis, pe ba, et pas ba bakati sa mingenga. Est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez la joie? La même parole. Dilo bango moko moko kaka. Oyo banto mabateya kana mokolo ya Pentecôte. C'est que les apôtres ont pressé les jours de la Pentecôte. Oyo bato bandima kana mokolo wana. C'est que les gens ont cru ces jours-là. 3000 personnes. 3000 personnes. C'est la même parole. Dilo bango moko moko. O ba confia ki yango na Paul. C'est que les confia à Paul. Yango balingan. C'est pourquoi bien aimé. Landanga bien. Suis-moi bien. Tango catholique. Quand les catholiques. Bazo yebisa biso. Nous disent que Pierre. Et Pierre. Azala ki pape ya liboso. Était le premier pape. Ya église catholique. De l'église catholique. Ezalokuta. C'est un mensonge. Catholique. Catholique. Ezalaki nation païenne. C'était une nation païenne. Pierre. Pierre. Azwa charge à gokene na catholique. Il a pris la charge de ne pas partir chez les catholiques. Moto va presser un mokumba ya koya et pas une abapata. C'est lui à qui on a donné la responsabilité de venir auprès des païens. Ezalaki Paul. C'est Paul. Loba amen. Dis amen. C'est pourquoi vous voyez. Même à Nzambe atinda qui Pierre na Samarie. Dieu a envoyé Pierre à Samarie. Retour na à Jérusalem. Son retour à Jérusalem. L'église va juger. L'église l'a jugé. Pourquoi? Pour la nini. Okokai kokende kuna. Tu veux partir là-bas? Pierre a lobi. Pierre a dit. Nakokai koboya ordre Nzambe. Tu ne pouvais pas refuser l'ordre de Dieu. Bato bayaki ko benga ngai. Les hommes sont venus m'appeler. J'ai compris que Nzambe. Ce soleil qui était Dieu. Ajaki ke na Samarie. Il voulait qu'à Samarie. Loba Nzambe ko. Que la parole arrive. Quand je suis arrivé. Bato abazwi moli monenga soto zwaka na Pentecôte. Nous aussi, on l'a bien reçu de la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est? On ne jugeait pas en vain. Parce que la mission est avant Thomas. Parce que la mission des apôtres. Il faut qu'il faut prêcher. C'était qu'il devait prêcher. Aux enfants d'Israël. Israël. Les brebis perdus. Pasteur Babungi. Mais Paul. Mais Paul. A toi qui charge. Il a pris la responsabilité. Il a instruit les païens. Il a instruit les païens. Il y a un Paul à quoi à Rome. Il est arrivé à Rome. Non, il est allé évangélisation. L'évangélisation. Pierre était. Pierre était. Pierre a gagné cause à la première pape catholique était. Il ne pouvait pas être le premier pape. D'ailleurs, nakati ya Bible. Dans la Bible. Fonction pape est à la catée. Fonction pape n'existe pas. Ce sont des fonctions païennes. Les alliés bami kumba ba pata. Amen. Dites amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous avez le sengo? Est-ce que vous avez la joie? C'est fini. Et s'il est. Et lilobango ya Nzambe. Et la parole de Dieu. Et là, Paul, au travers de Paul, et Kei, ça a avancé, c'est allé, et commis à Éphèse, jusqu'à arriver à Éphèse. Éphèse est peut-être une nation païenne. Éphèse aussi, c'était une nation païenne. Bah, là, on a il n'avait pas encore la parole. Mais à travers frère Mais Paul, par frère Paul, Nassima, il y a frère Cephas. Après frère Cephas. Na frère Jacques. Et frère Jacques. Na frère Pierre. Et frère Pierre. Copain, ça y est, la main d'association. Avoir donné la main d'association. Et lui disant. Le même Dieu. Qui nous a mandaté. Il vous a commissionné aussi. Quand c'est le païen. Nous nous allons vers les circoncis. Et tango ya tamboli. Quand il a circulé. À Komapé na Éphèse. Il est arrivé aussi à Éphèse. Est-ce que l'assemblée est allée? Est-ce que l'assemblée est ici? Quand il est arrivé. Écoute ce qu'il a écrit aux Éphésiens. C'est merveilleux. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens mon capami balé. Verset 11. Molongo zomi namoko. A komeli siko ba frère bandimaki na Éphèse. Il est écrit au frère qui est écrit au Éphèse. Lettre ezaki ya ba païens au bazaki na Éphèse. Cette lettre était adressée non pas aux païens qui étaient à Éphèse. Ezaki ya ba croyants. C'était la lettre de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Oyo bandimaki Jésus. Qui ont cru Jésus. Na matéa ya Paul. Par la prédication de Paul. Parce que Jésus avait dit, Bampate nangai, mes brebis,
Tous ne se retrouvent pas dans cette brèche. Les autres sont loin. Je vais les appeler. Quand il a prié, il a dit, Père, ne prie pas seulement pour ceci, mais aussi pour tous ceux qui vont toujours me croire. Alléluia. Amen. C'est-à-dire même nous. Et nous. Quand tu es assis là, Dieu veille sur toi. Amen. Verset 11. Chapitre 2. Chapitre 2. Il y a Éphésiens. D'Éphésiens. C'est pourquoi vous les Éphésiens, y compris nous, et même nous aussi, autrefois, kalakala, païens, bapagano, dans la chair, appelés incirconcis, parce qu'on appelle les circoncis, et qu'ils les sont, ont la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Amen. 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 Souvenez-vous, Bokanisa, en ce temps-là, vous étiez Bozalaki, sans Christ, Kozanga Christo, privé du droit de cité en Israël. Bozanga ki makoki akozana Israël. Na engumba. Na engumba Israël. Nouvelle Jérusalem. Ça ne pouvait pas nous concerner. On ne pouvait pas entrer. On ne pouvait pas y entrer. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. Vous êtes là qui bapaya na boyok na mayokani ya elaka ango. Sans espérance. Kozanga ke elikia et sans Dieu dans le monde. Kozanga kan zambe kati na mokili. Tolo bamen. Amen. Ah, biso mawa. Ah non, pitié. Natango tozalaka. Autrefois. Mawa. Pitié. Nous n'étions pas différents des bêtes. Nous n'étions pas différents des oiseaux. On n'avait pas Dieu. On n'avait pas de promesses. On n'était pas concerné dans la promesse d'autrui. Sans espérance. Sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Fortement. Pourquoi Jésus? Vous voyez pourquoi nous aimons Jésus? Oh, yes, Jésus nous a rapprochés de Dieu. Nous sommes associés aux promesses de Dieu. Nouvelle Jérusalem, nous allons entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, nous allons l'obtenir. Ce qui t'occupe, tu le sais. Nous serons ressuscités. Ce qui est ailleurs, tu le sais. Nous serons élevés. Alléluia. Amen. Vous qui étiez jadis éloignés, maintenant, vous êtes rapprochés. Par quel moyen? Par le sang de Christ. Si toi tu n'as pas encore reçu, tu vois pas que ces choses, tu es comme un corbeau. C'est-à-dire, sauve-souris. Ils ont dans le sens que, au moins, ils ont dit que martyrs. Vous voyez, au stade des martyrs, ils ont des acteurs. Il y a des acteurs qui jouent. Ils sont dedans. Et ils jouent. Ils sont sur les gradins. On les appelle les Ngembo. Les spectateurs. Ils regardent ce qu'ils jouent. Toi, tu es ici. Ils regardent comment nous jouons. Ceux qui t'ont fait un enlèvement, quand tu n'as pas Christ, tu vas rester. Alléluia. Amen. Ceux qui ont fait un enlèvement, tu n'as pas rester. Nous sommes comme Seigneur. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? Frère technicien. Le frère technicien. Chalité yango kombo mieux vaut tard que jamais. Tu peux mettre la prédication là mieux vaut tard que jamais. Parce que tu me poses souvent la question. Lité yango to tia kombo nini. La prédication là on va mettre quel nom? Quel titre? Tia yango.
Mais le titre là, et le kimalamu, c'est mieux venir en retard que d'être absent, de manquer. Nous allons à la fête Nalula. Au ciel et Jésus. Ensemble avec Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? La parole de Dieu dit, nous sommes des fiancés. Sikoy. Maintenant, il n'a pas encore eu mariage. Jésus. Nous avec Jésus. On ne peut pas chanter Jésus. On n'est pas encore marié. Nous sommes dans les fiançailles. Le mariage sera fait dans les airs. Amen. Dis amen. Le mariage entre nous Jésus, et Jésus ce sera fait dans les airs. Si maintenant, dans les fiançailles, le mari comment marche sur la fiançaille. Si tu ne marches pas bien, il va changer les pensées. Marche conformément au fiancé. Alléluia. Amen. Et puis ce qui mariage, et puis, si la le pépé, mariage est terminé dans les airs, fêter la nouvelle Jérusalem. Nous allons fêter dans la nouvelle Jérusalem. Salle de fête des Akuna. Et si quand tu es Akuna. Ah oui? Oui. Expression à nos oyoka, épouse. L'expression là, épouse. C'est différent de la femme mariée. Et que c'est une moi salibale. Épouse. Épouse. C'est une fiancée. Azali Mobandi. Mobandi Alibal. Tous nous épouses de Christ. Nous sommes pas encore épouses de Christ. Tous nano épouses. Nous sommes encore épouses de Christ. Oui. Oui. Tous en fiançailles. Nous sommes dans les fiançailles. Et puis. Et puis. Chaque soir. Chaque soir. Azozo a rapport. Il obtient les rapports. Y a façon yozo tambo. De la manière dont il marche ici. Fiançango na yo. Ton fiancé. T'as la vie na yekuna. Regarde sa vie là-bas. Azagalisu na Louis. Il a encore Louis. Azagalisu na Antoinette. Il a encore Antoinette. Fiançango na yo. Ton fiancé. Oyozo bête à tout. C'est pour qui tu. Ok, okende go balaye. Tu vas épouser. Attention. Attention. So qui mobali na yo. Si ton mari. Fiancé na yo. Ton fiancé. Alobina ke Angola. Je parle Angola. Koluka. Cherchez. So qui na zongi. Dès que je reviens. Nous allons nous marier. Ye bandenga ko tambo. Comment marcher. Changer na baninga ko tambo. Même les amis avec. Changer lolenga ko lat. Même na manière de. So qui bo d'accord bolo ba men. Si vous êtes d'accord dites pas. Parce que. Parce que. Batangela kabiso mokolo mo sa. Ici un jour. Les mauvaises compagnies. Baninga ya mabe. Corrompent de bonnes mères. Babe bisanga bisale ya malamo. Et tanga koloba. Quand tu diras, monte ici. Mata awa. Kondimaloyemboyo batwa mangomba bayemba kate. Ne crois pas à cette chanson là que les dominationnels chantent. Kondimangote. Ne crois pas à cela. Bayemba kanine. Ils chantent quoi? Azali koya. Mwana nzambe. Azali koya. Makolo ezana nzela. Lokuta. C'est un mensonge. Il ne va pas traîner sur le chemin. Banda bayemba. Depuis qu'ils ont commencé à chanter, ils n'arrivent pas. C'est une fausse chanson. Ils allaient nzembo à l'okuta. Une fausse inspiration. Ils allaient inspiration à ma belle. Dès qu'ils quittent le ciel. Ils ont déjà quitté Lola. Awa. Ici. Bandibi va comme ils vont les coins commencent à sentir comme si. Est-ce qu'assemblée est l'assemblée est ici? William Branham a comparé le col à aimant une gilette. William Branham a comparé ça comme aimant et une gilette. Ce qui est main et zokita. Quand les mains descendent, on fixe mis son agilette. Tu fixes les yeux vers la gilette. Au moment où la gilette est banni, donc la lame de rasoir commence à bouger. Alléluia. Amen. Et ce qui est quitté les sous. Les mains descendent ici. La gilette. Coupe ça, c'est quoi? Oh, Azali na ma colonne entière. Oh, il vient. Comment ça? Comment ça? Combien d'années? Jusqu'à maintenant, il a besoin de préparer la parole. Mais prépare toi et moi. Kuna na lola. Là au ciel, lui prépare la place. Est-ce que vous aimez Jésus? Ma soeur. Mon frère. Qui soit ici sur la terre. Qui soit dehors. Qui soit au balcon. Ne flamme pas ton cœur. Quoi, Jésus? Maman c'est ta maman qui a cru. Tata na yonde c'est ton père qui a cru. Moninga na yonde c'est ton ami qui a cru. Yote. Pas toi. Yo, il faut n'angala na toi, yo. À ton yo, tour. Yo, copie on toi-même, dima. Tu puisses croire. Omon. Vous voyez? Omon. Vous voyez? Yo, kanisi, yéza l'okuta. Toi, tu penses c'est un mensonge. Zela. Attends. Yéza l'obaga pambat. Jésus ne parle pas en vain. Zela. Attends.
ndenge alakisaka moko ya basa la prophète na ye comme il est soit l'un de ses prophètes engumba wana cette ville là apocalypse chapitre 21 chapitre 21 tout en ensemble apocalypse 21 apocalypse capote tout bien na moko verset 2 mulonga mi balé Isaki apôtre Jean. C'était l'apôtre Jean. Jésus lui a dit Jean. Tu ne vas pas mourir. Ba Pierre et Pierre na baninga, et ses amis ba okufa. Ils vont mourir. Mais yo avant, toi, okufa, avant que tu ne meures. Na kulakisa yo makambo eko salama. Je vais te montrer les choses qui vont se faire. Après que tu aies écrit, alors que je peux t'enlever. J'ai lu William Branham. Cette manière de dire mourir, dans le Seigneur, on ne peut pas le dire. Parce que dans le Seigneur, tu ne peux pas mourir. Tu as la vie éternelle. Tu ne peux pas mourir. Il faut dire il dort dans le Seigneur. Parce que si tu dors, tu vas te réveiller. Mais ce sommeil là, c'est le sommeil que nous avons pris pour nous. C'est un long sommeil. Même si vous criez, non, il réveillera. C'est le matin, le Seigneur va le réveiller. Alléluia. Amen. Et frère Jean, maman a qui est ça va tapage trop. On l'a vu faisant beaucoup de tapage. Balobi. On a dit. Tokoboakaina Patmos. Donc j'étais dans l'île de Patmos. Comme ça, baliaye na banyama ya méchant. On va les devoir par les bêtes sauvages. Zamba yebisiye. Dieu lui a dit. Joana Bik. Prends un stylo. Joana carnet. Prends un carnet. Banyama bagolia yote. Ces bêtes-là ne vont pas te dévorer. Ngana kubate la okuna. Moi, je vais te protéger là-bas. Ngana zana posa. Moi, j'ai besoin. Na komela ba frère Lingwala. Que j'écrive aux frères de Lingwala. Makamboy. Ces choses. Ezana bokolo. Il y a un jour. Bakote ya ba. Ils vont les prêter. On va les prêter. Alléluia. Amen. C'est moi qui ai mis les commentaires. Ma frère Lingua, le frère de Lingua, c'est moi qui ai dit. Mais Akomela qui bat. Il a écrit aux gens, bandimi, les croyants, ya Yesu, de Jésus, na dans le monde entier, y compris Lingua. Y compris Lingua là. Dieu savait. Ce matin, nous allons lire cette écriture. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Alors Jean commis au Yamon. Jean écrit ce qu'il a vu. Jean l'obibo. Jean dit ceci. Verset 2. Au verset 2. Et j'ai vu descendre du ciel. Mais la monico qui t'a outan à l'ola. D'auprès de Dieu. Mais une ensemble. La ville sainte. La nouvelle Jérusalem. Préparée. Comme une épouse. Qui s'est parée. Ouais, bon, qui s'est mis pour son épouse. Pour la mobile, il est à l'ibal. Dieu lui a dit écrit. Il prend un stylo. Son stylo. Carnet na il a pris son carnet. Il a écrit. A comment tonnerre il n'a pas écrit le tonnerre. Est-ce que vous allez là? Est-ce que vous êtes là? La même personne à l'obaga na yeki. Oh yo comment na koma? Muto yemo ko ebse ko. Oh yo yo ce que tu vas entendre écrit. Tango koma ki na ngala ya tonnerre. Quand il est arrivé au mois de tonnerre. Lui il avait un stylo. Il avait un carnet. Tanga linga koma. Quand il voulait écrire. La voix vient de là. Ko koma te. N'écris pas. Akoma pete. Il n'avait pas écrit. Biso pete ko te ya. Nous aussi on va pas prêcher. Bate ya ko koma. On prêche ce qui est écrit. Oh koma mite. Ce qui n'est pas écrit. C'est pour Dieu. Alléluia. Amen. Verset 9. Molongo alibwa. Il y a même chapitre. Du même chapitre. Puis un de sept anges. Fait moko ya banze sambo. Qui tenait les sept coupes. Wa simba ki banken sambo. Rempli de sept derniers fléaux. Etoni sami na milozi ya suka sambo. Vin. Ayaki. Il m'adressa la parole. Parle bela ingali loba. En disant. Kolobaka. Viens. Yaka. Je te montrerai l'épouse. La femme de l'agneau. Moi si empaté. Ah, l'épouse. Moi si. La femme de l'agneau. Moi si déjà awa. Ici. Il veut montrer que. Il était déjà marié. Fiancé ou anasi abalaki. Au bandit si c'était déjà marié. Et puis.
Nasima. Verset 10. Molonga zomi. Il me transporta en esprit sur une grande haute montagne. Il me montra la ville sainte. C'est là où que nous allons. C'est là où que nous allons. Est-ce que vous l'aimez? Engumba wanande tozokende. C'est là que nous allons. Yango na yebisi yo. Pourquoi je te dis? Malgré ozolia ngombe. Même si mange la. Malgré ozolia matembele. Même si mange matembele. Malgré ozomela. Même si tu bois. Tout ce que tu fais, n'oublie pas. Bientôt, nous allons partir dans cette ville-là. On prépare cette ville-là pour nous. On en a montré ça à Jean. Un témoin. Mon tatoli. Oculeur. Oui, mon acquis. Et il me montra la ville sainte. Voilà. Talisaki Ngumba et Santu. Jérusalem. Jérusalem. Qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente, comme dit cristal. La ville avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et aux portes, 12 anges. Et des noms de ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Dans chaque porte. À l'Orient, 3 portes. Au nord, na likolo, 3 portes. Au midi, na katikati, 3 portes. À l'occident, na elali na moi, 3 portes. La miraille et, tout yango, et la ville ya Engumba, avec 12 fondements. Et, na miboko, zomi na mibale, et sur ces fondements, na likola, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Ne pas marquer cette ville là. New York. C'est plus que New York. L'Obamen. Dit amen. Et l'équipe Pékin. Cela dépasse Pékin. Et l'équipe Paris. Cela dépasse Paris. Motote à Komakuna. Personne n'y est arrivé. Ce qui n'a pas personne ma coquille. Si tu as la capacité. Kende Dubaï. Va à Dubaï. Appelle-toi ma coquille. Tu as la possibilité. Kende la Chine. Va en Chine. Appelle-toi ma coquille. Tu as la possibilité. Kende Canada. Va au Canada. Mokenge yina biso yetonga oyo. De cette église. Si quoi dans le Canada. Mais il est au Canada. Mais lola. Mais au ciel. Moto akomate. Personne n'y est arrivé. Alléluia. Amen. Kozanga pété. Ne manque pas. Vous aimez cette ville là? Il y a un seul moyen pour seulement croire Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et donne ta vie à Jésus et tiens le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus Christ. Tu submerges une fois, tu dors dans l'eau comme moi. J'ai mort du monde, je suis mort du monde, je n'ai plus besoin du monde. Si on te soulève de l'eau, c'est comme si tu es ressuscité. Quand tu es ressuscité, marche dans une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Bon gamin, tu vas bien. Le père, on va t'appeler. Bon on va prier pour toi. Alléluia. Ne regarde personne. N'aie pas honte. Zéla. Attends. Non, ça exercice, mon. Je vais faire un exercice. Banani bandima. Qui ont cru, baptême, qui ont été baptisés na na au nom du Seigneur Jésus, na message, dans ce message, batumula mabok, qui soulèvent leurs mains. Vous voyez na likolo kuna pe bazali. Aussi, au balcon ça, aussi. Merci. Fais descendre la main, mon frère. Merci. Bongo yo. Et toi? Toi, tu penses que ceux qui y soient, Jésus, quand tu reviens comme tu n'as pas cru, tu es avec nous, tu n'iras pas. Jamais. Pour partir, il y a une seule condition. N'aie pas honte pour la veste. Ah, veste. La veste. Veste, veste, c'est quoi? Veste, ça va faire quoi? Quand tu vas mourir, tu vas partir avec la veste. Le petit frère va prendre la veste là. C'est fini. Ils sont là assis. Et puis, c'est moi aussi. Ils disent à la femme. Mais ça, il toutes ces choses. Fais sauter toutes ces choses. Il a connu. Tiens, mets ça ici. Moi, je vais prendre ça. Moi, je prends les souliers. Toi, tu vas refuser Jésus pour ça. Et
Diplôme est gotika na mal. Le diplôme va rester dans la malle. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Et gotika là? Ça va rester. Na kende kina ba Congo. Je suis allé au bas Congo. Au dans le cimetière. Vous verrez dans le cimetière. Na tombo ya moto. Au tombé d'un homme. Ba salandap. Na fait. Ba jui sani. Ils vont pris une assiette. Ils ont pris une cuillère, Nkanya, une fourchette, Mbeli, un couteau. Ils ont placé sur le tombeau. Il ne va pas se réveiller. Il ne viendra pas manger. Et si li, c'est fini. Il est parti maintenant attendre. Récompense na ye. Sa récompense. Le soir du monde s'est arrivé à la fin. Il a laissé le bureau. Il a laissé la voiture. Il a tout laissé. Maintenant, il a la personne que nous prenons. Il vient le quand tu étais dans le monde. Quand vous allez quitter la mosquée, on t'avait prêché. Quelle position avez-vous pris par rapport à moi? Là où est Talingai. Yo. Toi, yo kanisi ba frère oyo. Toi, tu crois que ces frères, baza ba fou, ce sont des fous. Na ba sœur oyo. Et ces sœurs, olekinan. Tu dépasses qui? Asusu baleki ona mayele. D'autres sont plus intelligents que toi. Asusu baleki ona kobota. D'autres ont beaucoup d'enfants que toi. Asusu baleki ona makasi. D'autres sont plus forts que toi. Asusu baleki ona mbon. D'autres ont beaucoup plus d'argent que toi. Tango ba yoka kili ba Yesu. Ils ont écouté la parole de Jésus. Ils ont vu que toutes ces choses là sont vaines. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Toi, tu penses que tu te passes. Tu te passes personne ici. Au contraire, biso ton dima Yesu ton leki o bosika. Plus que toi. Alléluia. Amen. Makamoyo sala ka ya bosoto wana. Tu ne vas pas si c'est que ça. Il y a salité au sala. Ce que tu fais là. Pourquoi tu n'as pas honte? À ton âge, avec ta grandeur qui te sert, avec les pantalons qui te serrent le corps, tu marches. Tu n'as pas honte? Et puis, bah, et les enfants sont là. Et les petits-enfants. Non, que Dieu t'aide. Mais ça, bon, moi, il pas donne ta vie au Seigneur. Ouais, ses filles. Ouais, ses frères. Naturel. Comme ils ont été nés. Toi, tu ne verras pas, n'a pas percé les oreilles. Ignorance. On a percé les oreilles parce qu'ils étaient. Alléluia! Amen. Mais tant que bayebi, quand ils ont que Nzambe a salaka ngai. Dieu m'a créé. Père amonaka na koki. Il avait que je suis. Père alobi kende. Il va. Kitoko euti na mabaya euti na mabedete na matu. La beauté ne vient pas d'avec Kitoko babota makana ngo. On est avec la beauté. Alléluia. Amen. Balongoli yango. Ils ont enlevé cela, babwa, qu'ils ont jeté. Soga lobia somba kana poko aliwa somba. Si ce soir qu'il essaie de vaste. Mais ako somba te pona nkolo. Il va acheter à cause du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous voyez? Bomoni. Verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flamme. Frère Moïse, que Dieu te bénisse. Quand j'étais assis là, il a entonné le son. Ok, ça. Yemba frère. Chante frère. Est-ce que vous avez un bouquin? Nous, oui, Yemba Kinde Yango. Que cette ville-là que tu as chanté, c'est cette ville-ci. Est-ce que vous en avez un singo? Est-ce que vous avez la joie? Yagana nous Yemba. Viens chanter un peu. Viens chanter un peu. Yago Yemba. Viens chanter un peu. Toi Yemba Bissoni. Chantons ensemble. Attends-moi, Mouké. Même un peu. Attends, couplet, Moko. Même un seul couplet. Ok, frère. Allons, frère. Tu peux l'accompagner? Yok. Suis. Oh,
Nous chantons pas n'importe quoi. Mais nous allons si quelqu'un veut recevoir Jésus, il peut venir. Frère, Ndeko, sœur, Ndeko Mwasi, dimanche le qui? Le dimanche passé, beaucoup de frères m'ont dit, Frère Dona, Ndeko Dona, pourquoi tu as interrompu à temps? Beaucoup d'autres venaient, il a dit que l'assemblée est sortie. Fais un effort. Mieux vaut tard. Bien vaut tard que jamais. Que jamais. Il n'est pas à l'église en retard. L'église, à l'église, la prière du corps, toi tu dois prier. La première chanson pour toi, toi aussi tu dois chanter. La prédication comme ça, tu suis. Quand le modérateur va passer, il dit prions. Toi aussi tu pries. Quand nous partons, on part. Est-ce que vous l'aimez? Toi tu es là assis. Quand Frère Franck va prêcher, je vais partir à 13h. La prédication de Frère Franck passe. Tu vas comme ça trouver des situations. L'enlèvement, ça sera aussi pareil. Toi, tu passes à ton temps. Jésus vient à son temps. Marc chapitre 16. Marc Mokapazo Minamotoba. Verset 9. Marc chapitre 16, verset 9. Jusqu'à 16. On va se limiter là-bas. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. Marie qui l'avait chassé sept démons. Marie, Alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et qui pleuraient. Mais quand ils entendirent que Jésus vivait et que Marie l'avait vu, ils ne le crurent point. Ça, c'est l'étape qui est passée. Après cela, Jésus apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Cela revint annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, Jésus apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table. Il les reprocha leur incrédulité. Et la dureté de leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Pourquoi vous êtes comment? On vous a dit que je suis ressuscité. Pourquoi vous doutez? Quand j'étais avec vous, je ne vous avais pas dit que le fils de l'homme, il sera maltraité. On va le tuer. On va l'enterrer. Au troisième jour, il sera ressuscité. Je vous ai dit, on vous dit que je suis ressuscité. Mais vous doutez. Et qu'est-ce que vous voulez? Que l'écriture ne s'accomplisse pas. Quand il a terminé ses reproches, il leur dit, Alobina Bango, allez, Bokenda, partout, dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Amen. On se limite là. Togoyemba, tozo zela yo kitana likolo, yo utana libanda, yo yofandiawa,
Même quand nous allons sortir, Tikala. Reste. Dis au serviteur de Dieu, je vais recevoir mon baptême. Que je serve le Seigneur. Ça sera aussi bien pour toi. Nous avons seulement prêché la parole de Dieu. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Yakatana retard. Bien même en retard. Posa l'absenté. Mais ne sois pas absent. Kalamingite tozo kota lola. Bientôt nous allons au ciel. Pe bato bakota kalola. Et ceux qui entrent au ciel, bazali na lolenge oye sengali na bango bakota. Ils ont une certaine manière pour eux d'entrer. Yondo ndimi. C'est toi qui crois? Yaka. Viens devant.
Monsieur Azali. Il y a une autre personne. Parce que nous voulons prier pour la sœur. Que Dieu l'aide. Il a le courage. La Bible dit, ceux qui entrent au royaume des cieux, ce sont des violents. Bazali ba violents. Satan n'a jamais ne peut pas vouloir te laisser te tenir debout. Il ne peut pas aimer. Tu as le désir dans ton cœur. Mais le Satan te dit, ne pars pas. Tu as la violente. Voilà, une violente est là. Beaucoup n'ont même pas fermé les yeux. Aïe. Elle est venue. Bible et lobby. La Bible dit, moi et toi, nous ne vivons pas ici. Kunasiko. Mais au ciel maintenant là, frère Jean-Marie, frère Jean-Marie là-bas, Yakuna. De là, oh, Abiso Azaliao. Notre frère Jean-Marie est ici. Na équipe, na ye. Avec son équipe. Mais Moussou Azaga na l'autre. L'autre est au ciel. Kuna. Là-bas au ciel. Cantique. Il a un cantique. Et Toki. Les opéta. On a comment na motoloko la yeboye. Sœur ici. Ayebisi Satan. Tu as Satan. Tikangai. Laisse-moi. Na il a dit Jésus. Je suis Jésus. Yende akelangai. C'est lui qui c'est lui. Biso na yo, c'est fini. Moi et toi c'est fini. Alléluia. Amen. Ozali kati na mwasi na libala na Yesu. Ekozala pona yesengo to mokolo ya somo. Ilamba na yo ekozala pepe na mwako songa. Tango eko kibele mapone na mwu Yesu akuya. Nous venons d'écouter non Seigneur au travers de ses serviteurs et nous avons compris que réellement le Seigneur nous a parlé. Nous allons maintenant répondre parce qu'il vient de nous parler. Nous allons aussi lui répondre conformément à ce que nous venons d'écouter. Nous parlons à celui qui est capable. Nous parlons à celui qui est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Selon notre avancement dans la marche. Dans la marche avec le Seigneur. Parce que quand il a parlé, il ne s'amuse pas. Il est sérieux. Et il est fidèle. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Alors tout ce que nous avons écouté, selon ce qui vous a parlé, vous allez le rendre. Nous allons nous lever et nous allons prier ensemble sans oublier notre bien-aimée sœur qui vient de croire que le Seigneur le fasse grâce de marcher conformément à la parole de Dieu. Prions ensemble, mes amis.
Je suis reconnaissant. Merci. Je te rends grâce et gloire. En mettant l'enfant de la promesse. Je vous encore offert ce matin. Il a reçu la parole de la promesse. Après avoir. Et aussi l'esprit de la promesse. Aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu par ta grâce, par ton amour. Je vais te dire par ta main noire qui ne lâche personne. Jésus, il m'a donné une grande promesse. Il reviendra pour nous chercher. Je ne veux pas être oublié. Je ne veux pas rater ce rendez-vous. Bien que je suis une femme, on fait des travaux, on fait des recherches, on fait des parcours de vue, aller de vie en vie. Mais je voudrais, Seigneur, que cette grande promesse, cette rencontre, je ne puisse mes bien-aimés frères et sœurs. Nous formulons notre demande aujourd'hui spécialement pour notre pays, la RDC. Ce pays qui est un don que le Seigneur nous a donné. Cependant, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus de ce pays. Nous entendons beaucoup de choses.
Mais ce pays est le nôtre. Nous demandons spécialement à ce que le Seigneur intervienne, qu'il nous donne la paix dans ce pays, afin d'écouter la parole de Dieu en paix. Et que tout ce que le diable est en train de former, dans le noir, qu'il se soit nul et non avenu. Nous n'avons pas besoin de cela. Prions ensemble, mes Nous demandons à notre bien-aimé frère Bonassao d'avancer et de prier pour nous. Et il sera suivi des frères Iloko. Zambe tata nanko na biso Yesu Masia. Dieu Père de notre Seigneur Jésus Christ. Totondio na mokolo ya lelo. Nous te remercions ce jour. Yo bateli biso. Toi tu nous as gardés. Depuis le début de la semaine. Penkolo, et Seigneur, tu ne nous as pas laissé seulement à la maison. Tu nous as réunis ce matin. Pour réunir ce poussin. Pour écouter ta parole. Que ton nom saint soit loué. Soit loué. Soit glorifié. Parce qu'il mérite la gloire. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Écoutant ces paroles, nos cœurs sont pleins de joie. Parce qu'il nous a parlé de la parole de la promesse. Comme nous sommes les enfants de la promesse, c'est pourquoi la parole de la promesse est venue ce matin. Pour nous faire croire, parce que nous avons crié à cette parole, que la vérité reçoit l'honneur. Tu le mérites. Bien Seigneur, nous avons écouté au travers de tes deux serviteurs. Ce qui concerne Isaac était le fils de la promesse. C'est pourquoi il ne pouvait pas hériter avec les enfants des païens. Nkolo. Dieu, Toyoki. Nous avons écouté. Sunga. Aide. Togo sunga. Nous serons aidés. Nkolo. Seigneur, donne-nous la capacité pour tenir la parole de la promesse. Et nous avons entendu. Allez nous préparer une place. Et tu viendras nous prendre. Là où tu y es, que nous y soyons. Mais tu ne devons pas encore venir. Tu prépares cette ville pour que nous puissions y être avec toi. Mais aide-nous. Nous ne pouvons pas les écouter. Nous sommes entrés ce matin. Nous serons là où tu y es. Comme les enfants de la promesse. Chacun de nous tienne cette parole. Mais le jour où tu viendras, nous pouvons monter avec toi. Merci, tata. Merci Père. Pour nous avoir montré. Merci, tata. Merci Père. Pour nous avoir rappelé. Aide-nous. Comme Abraham. Comme Isaac. Comme Jacob. Ils ont crié à toi. Ils ont
Merci. Merci. Voilà, bataille dans mon corps. Pour les prédicateurs, Pamola Bango, bénis-le. Zunga Bango, soutiens-le. Sanctifie Bango. Sanctifie-le. Ma ministère, la Bango, Seigneur. Quel est le ministère qui te pousse les bénis? Quand on est venu à l'éternel, qui est ta parole, la parole, la capacité. Yako Bango la moto. Quand on Bango la biso. Seigneur, transforme-nous. Nous serons transformés. Quand on est biso sur ma sia. Ozana ma coquille. Notre Seigneur, tu es la capacité. Ma coquille. Que nous puissions être capables de ta parole. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh, qui m'a soumis qui est venu. C'est qui m'a fait cette question au nom de Jésus Christ. Oh, qui m'a pas gagné. Celui qui est venu païen. La parole est prochaine. Qui soit délivré. Il y a ton enfant. Il y a la promesse. Merci. Ma tante. Pour ta parole. Ta parole a la capacité de guérir. Et de la bocono. Et sur la maladie. Mais Koulousou. À la croix. Non, c'est pour qu'on ça va. Tu es là, tu m'as voté. Il n'y a aucune maladie. C'est devant ta parole. Notre Seigneur Jésus. Les malades soient guéris. Ceux qui sont liés soient guéris. Oh Dieu Tout-Puissant. Celui qui est fatigué. Donne-lui la force. Toi, tu es notre force. Qui va là, yo. C'est ta parole. Mon côté, personne ne peut compter qu'il soit confus. Colo. Seigneur. Quand tu as commencé avec nous. Les vieux parmi nous. Qu'ils soient bénis. Qu'ils soient protégés. Dans le mariage, là où il manque le mariage, la source est ma balle. La source de mariage. Dans le mariage, dans les rangs, Dieu Tout-Puissant, Moko la Moko, aïe la Mituna, et pas inaïo, et pas la motéité, et pas la badia qui était, mais pas inaïo, attends moi, l'imingo, mais pas inaïo, mais ta solution, pour que la solution, la solution, là où il y a la solution, nous te demandons, au nom de Jésus-Christ. Bénis le berger. Là où il est. Sois avec lui. Protège-le. Bénis les diacres. Bénis tes serviteurs. Nous tous. Nous sommes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Comme on est Jésus-Christ. Nous sommes ici avec la foi. Au nom de Jésus-Christ. Tata, Nzambe na biso, Père, notre Dieu qui est aux cieux. Banana yo. Tes enfants. Babondeli. Ils ont prié. Et nous aussi, nous venons encore ajouter notre prière au-dessus de ce qui a été prié ici. Tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as enlevés du monde. Et tu as fait de nous les enfants de Dieu. Ton amour, par cet amour-là, que tu viens de nous parler, et nous te prions, fais-nous grâce. Le jour où tu viendras, que personne parmi nous qu'il puisse manquer. Parce que nous avons dit aussi à nos amis, bientôt, le Seigneur à qui nous avons cru, il viendra nous prendre. Si nous restons, ça sera difficile, ça sera honteux, ça sera pitoyable. Mais l'homme aussi n'ira pas par sa propre force. Comme tu nous as appelés, fais-nous grâce. Et de la manière quand tu viendras, que nous soyons aussi pris. Il y a la capacité. Enoch était parti. Élie était parti. Les saints d'antan étaient partis. Toi-même, tu étais parti. Si tu nous dis aussi, et nous serons là où tu y es, sans doute, nous y croyons. Nous croyons. La capacité, c'est toi qui donnes. Parce que tu as dit, si ce n'est pas moi, vous-même, vous n'allez pas parvenir. Même pour notre ville cité, comme nous avons prié, tu avais dit, si dis-moi, je ne garde pas. Ceux qui gardent, ils gardent en vain. C'est pourquoi nous remettons les responsables de notre pays auprès de toi. C'est toi qui as donné par ta parole la loi de garder les frontières de
bongo yo yebi RDC sika yango isuki. Tu connais la RDC là où il y a ses limites. Bunagana eza ya biso. Bunagana nous appartient. Na biso moko tukukate. De nous-mêmes on ne parviendra pas. Mais yo zana makoki. Mais toi tu en as la capacité. Tata na biso. Notre père. Mwana no ya mwasi. Ta fille. Azali boso. Elle est devant ici. Ayoki lilobana. Elle a écouté ta parole. Ayoki sonite. Elle n'a pas eu honte. Na bolenge na ye. Avec sa jeunesse. Aye panayo. Elle est venue à toi. Yambaye. Reçois-la. Donne-lui la capacité. Je sais que l'ennemi ne sera pas content. Mais toi, tu as dit, en Christ, quand tu es Christ, vous êtes plus que vainqueur. Vous allez longi koleka. Bundela ye. Comme pour lui, longi sa ye. Grand la vainqueur. Et le jour où tu viendras, tous à la paix longona ye. Que nous serons aussi ensemble avec elle. Merci pour na kupambo la bise. Merci pour nous avoir bénis. Je crois que bana basi. Tes filles. Banababali, tes fils, Basalinayo, tes serviteurs, Kuyangana Mobimba, toute l'assemblée, ce matin, Topambola, nous sommes bénis. Amen. Loko to bondeli yokaka, que nous avons prié seulement oyo ya mabe, que ce qui est du mal, oyo to yaki nango, ce que nous avons amené, tozonga nango te, que nous ne puissions pas rentrer avec ça, tozonga bayenge ben, nous puissions rentrer sains. Nous sommes rentrés avec un corps en forme. Que nous puissions rentrer avec la solution. Nous sommes venus manquant Dieu. Que nous puissions rentrer avec Dieu. Merci, Nkolo. Attends, Nkolo. Pambola et Walde Franck. Béni et Walde Franck. Serviteur prudent. Ton serviteur prudent. Et fidèle. Et fidèle. Pambola Joseph Lilanga. Béni Joseph Lilanga. Le berger de ses troupes. Mobate le tonga oyo. Pambola Badiak. Bénis les diacres. Pesabango Bolingo. Donne-leur l'amour. Pesabango Mayel. Donne-leur l'intelligence. Basala Moussala. Qu'ils puissent œuvrer. Ponalokumunayo. Pour ta gloire. Ton dîner était bas chantre, bas pambola. Les chantres sont bénis. Bas interprète et bas pambola. Les interprètes sont bénis. Bas techniciens, bas pambola. Les techniciens sont bénis. Les alibisoko zonga. Quand nous rentrons. Que nous ne puissions pas rentrer avec tristesse. Que nous puissions rentrer avec joie. Surtout avec le Seigneur. Et il nous a répondu. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Veuillez vous mettre, mes frères et sœurs. Que Dieu bénisse chacun de nous. Avant de vous communiquer de ce que nous avons, je dois rectifier ce que j'avais mal présenté le dimanche passé. De quoi s'agit-il? HJ Hospitals. HJ Hospitals. Ayant envoyé beaucoup de messages à beaucoup de nos bien-aimés. Tu n'as qui bas message belé la balinga mais la biso est belé. Donc frère Lumbwe. Nan de Kolumbwe na kati. Il avait trouvé bon. À mon avis, tu as qui malam. Que le message. Était sangwango. Il fallait qu'on le communique à la. Topé sangwana kuyanga na. Mais avant de le communiquer. Kasi yambo ya kopé sa sangwongo. Il a parlé au frère Joseph. Alo bela ki nan de Joseph. Frère Joseph lui a dit. Joseph, de Joseph, il sait qui est. C'est bien. Zamalam. Vous pouvez le faire. Boyi ko sala yango. Et il me l'a dit. Ba yebisa kingai. Mais moi, j'ai présenté comme si cela venait du pasteur. Nga na pesi lokola nde sango ko te pa mobati. Ce n'est pas le frère Joseph qui m'a qui avait donné l'ordre de donner ce communiqué. Joseph nda pesa ki motinda ko pesa yebisa. Il a absolument autorisé. A pesa ki bo belenzela. La demande de frère Lumbwe. Bo senga nde ko mobali Lumbwe. Mais moi, j'ai présenté comme si c'est nga na frère Joseph. Le colonel de Joseph, qui ayant reçu ce message, a donné l'ordre de communiquer. Est-ce que nous nous entendons? Est-ce que tu as aucun lien? Que Dieu vous bénisse. Que nous sommes pas la bino. Oui. Bon, frère Joseph. Deko Joseph. Ici Kazali. Là où il se trouve. À Senga Kinangai. Il m'a demandé. N'a clarifié et loko moko oyo tango nazala ki koteya. Que je puisse clarifier une chose quand je prêchais.
traducteur, le traducteur a simbaki idée nangate. N'avait pas bien saisi mon idée. Alors, yé, lui, la simalité a yango. Après la prédication, Azwaki bande. Il a pris la bande vidéo. La vidéo à Landaki. Il avait suivi. Na sima a benginga. Après il m'appelait. Alobi, il a dit na Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11 verset 35. Bolonga tukumi sa tunamitana. Tango nazalaka kote ya na étape ya la foi. Quand j'ai prêché sur la foi. Na tanga ka boy. J'avais lu ceci. Hébreux 11 verset 35. Nazalaki koloba. Je disais. Nanzela na kondima. Par la foi. Abraham. Abraham. Nanzela na kondima. Par la foi. Enoch. Enoch. Nanzela na kondima. Par la foi. Sarah. Sarah. Et na lobi ke ntoma lobi. L'apôtre dit. Ntango esili. Quand c'est terminé. Ntango ezangengai. Il n'y avait plus de temps. Pour lire David, Gédéon, beaucoup de serviteurs là. Au verset 35, j'avais dit ceci. Quand j'ai lu, des femmes basi, recouvrèrent leur mort par la résurrection. C'est quoi? Recouvrèrent. De quoi est-ce qu'il faut traduire? Le frère qui m'interprétait ces jours-là a traduit ça qui n'est mot oyo et ça que l'obat. Il n'avait pas traduit tel que ce mot ici signifie. Mais mot et ça que l'obat n'est que faire. Le mot dit comme le frère vient de dire tout de suite. Il m'a posé la question. Ta révélation, ta compréhension, quand il avait dit ça. Tu penses quoi? J'avais interprété cela dans la prédication. C'est-à-dire, la femme de Tsunamite, je l'ai prise comme exemple. Il a pris son fils. Ainsi dit le Seigneur. Et venant du prophète, quand l'enfant est mort, la Tsunamite n'a pas enterré l'enfant. Il est rentré encore chez le prophète. Et le prophète est venu, a prié pour l'enfant. L'enfant a recouvert la vie. Il a remis à sa maman. C'est cela que tu as dit. Ce que tu as dit dans la prédication, c'est ça. Mais traducteur, mais ton traducteur n'avait pas interprété comme cela, traduit comme cela. Ça sera bien que disent à l'ensemble. Recouvrèrent leur mort. Ce n'est pas ce que le traducteur a traduit. Et tant qu'on a benga qui traducteur, quand j'ai appelé le traducteur, ce jour-là, le traducteur, il m'a dit, lui-même, savait qu'il a commis une erreur. Mais il n'avait pas encore le temps de réparer. Il m'a dit, frère Joseph, il a raison. Alors. Amen. Amen. Alors, tango nyoso eleki, et tout ce temps passé, Nazaki Kolinga, j'ai cherché na loba yango, et je le dis, mais Nazalaki ko bosana. Mais j'oubliais. Alors, lui m'a écrit. Moi, je lui ai dit. Alors, devant l'église. Moi, je vais dire, c'est comme toi tu as écrit. Ce n'est pas faire des commentaires. Parce que c'est toi qui as fait la remarque. Comme tu m'as écrit ceci, moi, je vais lire. Il a écrit ceci. Est-ce que l'assemblée est ici? Et après, je lui dis, vieux, toi, tu es intelligent.
L'intelligence. Ça bokebi. C'est la prudence. A commis boy. Il a écrit ceci. Recouvrer. Recouvrer. Est proche de retrouver. Mais Kasi, il a un sens plus précis. Azali na lulenge kotia makambo na siki siki. Plus abstrait. Na ndenge sengeli. On peut recouvrer quelque chose dont on avait perdu l'usage. On peut aussi recouvrer une somme due. Par ailleurs, il est sans rapport avec recouvrir. Comment on a les sous? Recouvrir. Kozipa. Kozipa les sous. Couvrir de nouveau. Kozipa les sous. Ou couvrir entièrement. Kozipa la mobimba. Même si certaines formes de conjugaison incitent à les confondre. Ce qui attaque, balolenge mususi akolo, besoin salaite malobangwe kokana. Ah, moi ça a commentaire. Je ne sais pas faire les commentaires. Les femmes recouvraient leur mort. C'est-à-dire, ces femmes qui avaient des morts, mibale, que ce soit les maris, soit bana, que ce soit les enfants, nandila ya kondima, au travers la foi, ils ont vu encore leurs enfants revenir à la vie, ou leurs maris revenir à la vie, par la foi. Nandila ya kondima. Et que c'est différent comme les traducteurs avaient traduit. C'est parce que les alipoétés recouvrer et que c'est différent na couvrir. Alors sokoyo lobi ke bazipa ki bibembe na bango couvert leur mort, ils ont un sens, ça n'a pas de sens. Amen mais alinde c'est nanzila ya kondima par la foi. Ceux qui avaient perdu leurs enfants par leur foi, les enfants sont revenus à la vie. Que Dieu nous bénisse. Mais bien, mes frères et sœurs, si nous avons des visiteurs au milieu de nous, ils peuvent se présenter en se mettant debout. Et on va vous donner un micro pour nous saluer et nous dire là où vous êtes. Pas de commentaires. Frère, pouvez-vous prendre le micro? Oui, frère, parlez. Dès qu'on bénisse. Je suis le frère Josué. Je suis à Lingwala, Itaga. Je viens de Tunis. Tunis. En direction vers Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Jacques Polomboué. Je viens de la Tunisie. En direction vers Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Et puis bon voyage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis le frère Jean de Dieu Nzita. Je reviens de Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'est Albert Kalonji. Que Dieu bénisse, frère. Que tu n'as pas besoin de. Il y en a au bargon? Oui, il y en a. On le passe là. Sœur. Que Dieu vous bénisse. Que tu n'as pas besoin de. Eza Sœur Vicky Mutombo.
De temps en temps, Nayakawa, mais Natika ne se présente. Des fois, je viens ici, mais je ne me suis jamais présenté. Je vous aime beaucoup. Nanikibino Mingi, Tiket Nzamba Pambolabino. Que Dieu bénisse ma soeur. Tiket Nzamba Pambolon de Komwasi. Bon, na bengami na kombo ya Papa Donna. Mon nom, c'est Papa Donna. C'est Pella qui pose. Ça fait longtemps que je suis venu. Moi, j'ai été Rita Zakana Lingwala. J'étais content d'être ici. Ça fait longtemps ma fille est ici à Lingwala. Alors, il m'a pris que je la croise aujourd'hui à l'Assemblée. Pourquoi je suis venu pour me voir avec ma fille à l'Assemblée. Elle a insisté que j'arrive le dimanche pour que je sois à l'Assemblée. Merci beaucoup. Attends, Domingue. Dieu bénisse. Tu kete nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino nyonso. Que Dieu vous bénisse tous. Isa sœur Yvonne Mwamba. C'est la sœur Yvonne Mwamba. Naouti Londres. Je viens de Londres. Yvonne Mwamba. Yvonne Mwamba que vous voyez là. Yvonne Mwamba pose mona. C'est la fille des frères Mwamba Kayeye. Azali mona frère Mwamba Kayeye. Là où nous avons été. Et si quoi pito zalaki? Là où était l'assemblée première. Et si quoi pito yanga nezaki yamboya? Sur Kabalo. Na Kabalo. Épousée à Londres. À Bali na Londres. Elle a trouvé bon de venir nous visiter. Koya kota la biso. Que Dieu te bénisse Yvonne Mwamba. Nzamba pambola Yvonne Mwamba. Que Dieu vous bénisse. Que Nzamba pambola bino. Moi c'est sœur Béa, je viens de tabernacle chrétien de Kalemi. Nzamba ndoko moi si Béa na uti na tabernacle chrétien à Kalemi. Que Dieu bénisse ma sœur. Moi, c'est Shekina, je viens de Kalemi. Okay. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Mutomusu Azali. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Et nous allons vous saluer à notre maître. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment honorés par votre présence. Que ce ne soit pas la première fois. Venez plusieurs fois. Communiez avec nous. Nous serons dans la joie. Au milieu de nous, nous avons eu une visite d'un serviteur de Dieu qui venait de l'Angola. Aujourd'hui, il nous dit au revoir. Au revoir. Frère Jean-Claude. De quoi Jean-Claude? Que Dieu vous bénisse. Tiketi Nzambe ya Pambola Bino. Je suis à la fin de mon séjour ici à Kinshasa. Zayi na suka mikona ngai awa na Kinshasa. Réellement parlant, j'ai fait pratiquement un mois. Solo na sali sans amoko. Oui, ici. Awa. Mais j'ai eu des difficultés pour retrouver l'Assemblée. Comme mon petit frère, c'est un serviteur de Dieu chez les Pentecôtistes. Il a témoigné à son église que j'étais serviteur de Dieu à Angola. Ils m'ont accordé la chair. Deux semaines durant, pour ce mi-balé, j'ai prêché là une semaine, presque la moitié de l'église a reçu ce Seigneur. Il y a eu beaucoup de baptisés là-bas. Et maintenant, j'ai demandé où est-ce que je pouvais prier. Oui, oui. J'ai été dirigé à Mbinza. Mbinza Delvo. J'ai été là-bas chez Frère Sam. Mais vu la distance, parce que ici, jusque-là, ça m'a compliqué vraiment. C'est alors que j'ai demandé des frères là-bas, si aux alentours ici, pour avoir notre assemblée. Avec, on a demandé au pasteur Mwamba, il nous a indiqué que si vous êtes là à l'hôtel Kana, c'est tout près de Lingwala. J'ai contacté des frères Mbinza Delvo. On m'a indiqué le frère Baudouin. J'ai été en contact avec le frère Baudouin. Ici, Awa. Il m'a donné le numéro de Diacre Charles. Charles Lumbwe. Oui. C'est lui qui m'a directionné. Pour que je puisse retrouver la salle. C'est ma toute première fois. Mais vraiment, je suis très béni. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen.
si Dieu le permet, je pense retourner mardi. Je demande vos prières. Comme vous savez, l'Angola est... J'ai besoin de vos prières. Je ne sais pas si je veux transmettre vos salutations. Que Dieu vous bénisse richement. Et priez pour nous. C'est ça. Bon. Que le Seigneur te bénisse. Hein? Est-ce que nous avons un serviteur de Dieu au milieu de nous? Investeur. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre frère Josué Longonia. Je viens de Lubumbashi. Au tabernacle chrétien de Kalukuluku. À la commune de la Roachi. Na commune ya Roachi. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous vous bénissons tous au nom de Jésus. Ne vous fatiguez pas, je